Yo tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est la première vidéo qui va sortir sur les trois qui va avoir avec l'autre portrait et le pack opening. Donc cette vidéo, ça va être sur Jérémy Grimm, ce portrait. Donc voilà, juste avant de commencer, je voulais vous dire que le pack opening, normalement, il sortira aux alentours de 19h. Voilà, un petit peu, soit un petit peu avant. Mais en tout cas, je pense pas avant 18h ou... entre 18h et 19h en tout cas. Et les portraits sortiront avant 18h. Donc voilà, c'était ce que j'avais à vous dire. Donc c'est parti. Donc maintenant, on commence. Donc pour Jérémy Grimm, j'avais essentiellement envie de dire que pour moi, il a fait une excellente première partie de saison. C'était un des meilleurs joueurs de la Ligue 2 à ce moment-là, de la Dominos League 2, pardon. Et pour moi, la deuxième partie de saison, il a, je pense que peut-être qu'à l'entraînement, il s'est un petit peu moins imposé. Plus de fatigue peut-être, mais après, l'entraîneur du coup a préféré... plus faire jouer titulaire la recrue qu'on avait eue au mercato hivernal et moins prendre Jérémy. Donc voilà, après je comprends ce choix aussi, mais Jérémy pourtant était aussi bon et parfois décisif. Mais bon, il a fait quand même une excellente première partie de saison, il nous a quand même beaucoup aidé. Il a quand même marqué 4 beaux buts sur 3 principalement. Notamment un qui était même très 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 beau, magnifique même. Donc voilà, je pense qu'il a fait une bonne saison. Vraiment, il récupérait tous les ballons, il était très important au milieu. Il vraiment, sur chaque erreur, après qu'il ait fait une erreur, il se reconcentrait. Ou même après, il courait vraiment sur tous les ballons, il était très actif. Je pense que c'est un joueur qui a fourni énormément de travail et qui a eu une importance énorme dans cette saison. Je pense qu'il a réussi quand même à montrer sa place en première partie de saison parce que c'était pas le joueur que moi j'attendais. Le plus forcément, mais en tout cas je pense qu'il a été très très bon et c'est aussi un des joueurs qui a le plus fourni de travail et du bon travail qui a contribué énormément à cette montée. Et donc voilà, c'est vraiment c'est un bon garçon et je pense qu'il peut continuer à être très très bon l'année prochaine. Normalement il devrait rester avec nous parce que c'est un joueur qui est vraiment fidèle à l'Alsace, donc qui est pur alsacien, donc je pense qu'il peut rester. On m'avait énormément demandé que je fasse Jérémy Grimm, donc voilà, donc j'ai fait Jérémy Grimm. Et je pense que c'est vrai, voilà, on constate encore que voilà, on me demande de faire Jérémy Grimm, donc ça veut vraiment dire que il est connu, qu'il a fait, que le public maintenant on le connaît bien, qu'il a montré cette saison qu'il pouvait être le patron. Et qu'à plusieurs matchs, je l'ai voté homme du match parce qu'il le méritait largement avec tout ce qu'il a pu faire. Même tout ce qu'il tentait, il était important dans les ballons à mettre en profondeur, pour défendre, vraiment il était partout. C'est vraiment quelqu'un à garder, je pense, et qui peut encore être très 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 important pour la saison prochaine. Et je pense que d'ici là, il va encore progresser et il pourra même... je pense qu'il va encore prendre un niveau pour l'année prochaine. Donc voilà. Donc en tout cas, du coup, moi je vais vous dire à tout à l'heure pour le prochain portrait. S'il y a des nouvelles infos dans le mercato... Je vous les dirai dans le prochain portrait sur un attaquant. Vous allez voir lequel. Je vous laisse la petite surprise. En tout cas, moi, du coup, je vais vous dire à tout à l'heure pour le prochain portrait. J'espère que ce petit portrait vous aura plu. Moi, je vais vous dire à tout à l'heure. Ciao tout le monde, c'était Lucas.